Oh non, le deuxième boulot, ok. Ok. Ils vont tous se réveiller. On a une carte. Ok. Ça me fait une belle jambe. Je me sens pas moins perdu, hein. Voir la carte. Bah oui, voir la carte. Attends, parce que même là, si je vais mouler un truc, j'en fais quoi? Je sais pas. En kikine avec la carte là. Combattant mécanique soldat version 1.0. J'ai utilisé le cadavre d'un homme adulte. J'ai retiré le cœur et implanté le cadou. J'ai réussi à stimuler les muscles via des impulsions électriques. Aucune capacité cognitive élevée à cause de la mort cérébrale. Ok. Donc le cadou, c'est le virus en fait, c'est ça? Version 1.01. J'ai équipé sa boîte crânienne d'un casque de contrôle. Ok, donc c'est ce qu'ils ont sur les yeux là. Combat contre les Lycans. Sujet démonté et dévoré en moins de 3 minutes. A des difficultés à détruire et à tuer. Ok. Version 1.10. J'ai remplacé les avant-bras par une perceuse. La puissance n'est pas suffisante pour être efficace. Peut-être qu'il me faut des corps encore vivants. Version 1.15. J'ai implanté le réacteur Kadou dans le thorax. La puissance a largement augmenté. Combat contre des Lycans. 3 Lycans tués en 1 minute. De bons résultats. Solidité du réacteur. Faut tirer dans le thorax? Oui, Lily, mais oui. Soit c'est un. Ouais. Attends, on va checker. Oh, non. Il y a un moment où ils vont se réveiller, les gugus, là. Si. Moule roue dentée. Donc faut que j'aille mouler la roue. Et que je. Donc à quel moment il se réveille, tout de suite ou après? C'est la question. Il y en a qu'un qui est armé en fait, non? Putain. Casse-leur. T'as combien de PV, gars? Je sais pas s'il donne masse de thunes. Ouais, j'ai le truc de la bombe, j'ai complètement oublié. Je voulais l'emmener là pour. Ouais, on s'en fout. Ok. Oh, c'était juste là. Attends, il y avait autre chose? J'avais pas vu. Putain, c'est ça qui est chiant, tu vois rien. Il y avait un truc là, j'ai pas vu. Oh, aïe aïe aïe. Salut le MK3. Bienvenue, bienvenue. On a la roue pour remettre le courant. Super, comme ça ils vont tous se réveiller. C'est vraiment pas mal ça. Alors ils sont tous armés en vrai. Putain. Oh non, mais non, mais non, mais non. Oh, oh. Bon. Je garde encore le coup de la bombe pour tout à l'heure s'ils arrivent tous en masse. Ça me ramène des trucs. Oh, Ethan. Non? Quelle déception. Je pensais qu'on pourrait unir nos forces contre cette salope de Miranda. Putain. C'est toi la salope. Je suis vraiment. Ah! Putain. Ah, mais je suis pas avec le fusil à pompe. Bonjour, monsieur. Elle m'a forcé. Putain, il m'a one shot là? Ah non, pas du tout. Ça me fait rien, ok. Ah ouais, mais. Putain, mais je suis coincé là! Pourquoi il me. Secours. Saloperie là. Contrairement à mes frères et sœurs, tout ce que je veux, c'est me libérer de cette connasse. J'ai donc besoin de puissance. À quel moment ça va pas toucher là? Je peux pas bouger.
Oh putain, il me casse les reins. Je suis coincé par des rebords de caisse, je sais pas quoi. Les forts écrasent les faibles, ainsi va le monde. Je vais tourner autour d'une table. Je suis au sniper en fait. Putain. L'arme la plus merdique pour cette situation. C'est vraiment incroyable. Une balle, hier. Yeah. On va devoir en crafter, je pense. On va ramasser pas mal de trucs. Bon, du coup, maintenant qu'il y a un peu de lumière, il n'y a rien d'autre. J'ai même pas pu voir s'il y avait un truc derrière le mur. J'espère que je ne l'ai pas raté, en tout cas. C'est 4 trucs, j'ai l'impression d'être encore à poil. Du coup, ok. Là, une nouvelle zone. Il me reste des heals ou pas? Il me reste pas de heals. Flux chimique. Pourquoi j'arrive pas à reculer? Mais. Il recule à deux. Je sais pas, c'est bizarre des fois. Là, pourquoi il recule pas tout de suite? Je comprends pas. Qu'est-ce que... Vous savez, après avoir sprinté... Ouais, j'en sais rien, mais... Le mec, il se bouge pas le cul. Oh, punaise. On va dans une salle. Yeah, wonderful! It's amazing! Je sais pas si elle sera là demain d'ailleurs. Qui est là? Bonsoir. Vous pouvez pas. Enfin, vous pouvez pas parler. Mais... Ok. Là, par exemple, ça aurait été bien de voir si en ramassant ça. On peut l'électrocuter peut-être. Oh, j'en sais rien, mais qu'est-ce qu'on va se taper encore là? Il est où? Je sais pas, je sais pas si ça marche. Monsieur, j'ai vidé un chargeur là. Ok. C'est intérêt à ramener de la moula ce truc. Ça se recharge ou pas? Je sais pas si ça se recharge. J'en sais rien, Zenik. Il y avait pas Kibix qui disait 2 heures? Je sais pas, mais comme j'avance assez lentement. Je sais pas si c'est pour ce soir. J'en sais rien. Parce que c'est un jeu, tu rushes pas hein, la première fois que tu le fais, PTDR. Bon, ça s'est rechargé, ok, bonne nouvelle. C'est un cul-de-sac ça? Ok. Grenade aveuglante. Après, ils ont des trucs sur les yeux, hein. Grenade aveuglante, je suis pas sûr, je sais pas si ça marcherait. Ça. Il y a quelque chose là-dedans encore? C'est trop loin, je pense. Allez, Ethan, fais un effort. Putain. Ok. S'il y en a un deuxième, faut que je redescende pour... L'électrocute. Il y a un truc à gauche. Putain, ta race. J'espère qu'ils n'ont pas mis un deuxième en bas. Je vois pas s'il arrive.
Il est où? Oh putain, ça. Putain, la panique, pire truc là. Bonsoir. Comment allez-vous, très cher? La forme? Vos implants, ça va? Ok, il s'en va. Quoi? What the fuck, man? Non, putain, je voulais viser. Pourquoi il s'est pas fait électrocuter? Est-ce que je peux avoir une explication, s'il vous plaît? Putain, ça a pas touché. Nique ta yo-yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Putain, il me casse les reins! Je vais essayer de le sniper dans le cœur, mais... On va réessayer. Il s'en bat les couilles! C'est devenu un super saiyan! Quoi? J'aimerais bien réussir à lui mettre une balle quand même, le jeu. Pourquoi le premier ça a marché, mais ça marche pas là? Je vais le bouffer. Je vais le bouffer. Je vais le bouffer, fils de lâche. Putain, ils sont increvables. Mais genre, il comprend que je vais lui shooter le dans le thorax, là. Sérieux, Jean-Jacques? Bordel de chasse. Bordel à cul. Que j'ai à dire. Bah déjà faut que je finisse Nier et après il y a Resident Evil. Oh putain. Il y a Final Fantasy 7 qui sort un nouveau DLC et Ratchet & Clank. Le 10 et le 11 juin donc il y a de quoi faire. Donc là on avait fait le tour, ouais. Putain mais je suis... Bon après j'ai joué très safe. Hein. Ok, je me jette dans le vide, tout va bien. Bonjour, je suis perdu, je m'appelle Sorator. Vous ça va? Ok. Ouais, c'est pour éviter de t'enfuir, je pense. C'était derrière. Il y a un truc là encore, vous êtes sérieux? Quoi, il avait des balles dans son cul? Ah bah oui, bah c'est ça. Il avait des fucking balles dans son cul, ok, super. Ravi de la prendre. Je suis en mode explosif ou... Aveuglante. Attends, on va repasser en mode de... Aveuglant, ça peut être pas mal. Quand il y aura un gros groupe d'ennemis, je sais pas. Je sais même pas si ça marche sur eux. Une mine. Pourquoi il me donne une mine? Je suis pas fan d'Olivier, moi. Oh non, mais non, mais... C'est fatigant. C'est combien? Ah, je panique. Mais fuck you, mais pourquoi? Je change d'arme, il tire pas, il attend l'animation. Sérieux, gars? Bonjour, j'attends que tu me bouffes le cul avant de bouger là. What the fuck? Oh, pardon. Mais c'est incroyable ça. J'ai changé d'arme, j'ai appuyé sur R2, il a pas tiré, il a attendu de se bouffer l'animation du... Bah du bouffage, c'est le cas de le dire. N'importe quoi. Sinon ça va? Bien.
Pourquoi c'est aussi grand pour 3 mobs caca là? C'est quoi ça? What is this? Encore une mine, bah oui, bah. Les mines, ouais, c'est. Encore se taper un putain de truc chelou. C'était sûr, c'était fucking sûr. Putain, il en a une double. Putain. C'est un grand couloir, t'as comme par hasard un casier, putain, mais je peux être game designer chez Capcom, moi, ça y est. Il me suit ou il me suit pas, là? Il est où? Oh, putain. Attends, monsieur, pousse. Il a pas de cœur. Quoi? Il a pas de cœur. Qu'est-ce qu'il faut lui révéler son cœur? Révèle-moi ton cœur. Oh putain, j'ai pas le temps là. Si je m'arrête, je meurs. Pose ta putain de mine. Il est lent, c'est insupportable. Il s'en bat les couilles. Ok. Ah bah oui, bah comme ça j'ai plus de balles. Yes. J'ai pas ramassé. Ouais, pardon? Un problème peut-être. Et vous? Je sais pas si on lui fait des dégâts, j'en sais rien. Grand cœur mécanique. Je connais grand cœur malade aussi, moi. Pardon. Ok, Zanik. Ok. Je sais pas s'il y a moyen de les. Si t'arrives à les distancer, est-ce que tu peux passer sans les tuer? Peut-être. Hein. Ok, on va retourner voir le marchand. On va voir si je peux améliorer la capacité du sniper. Fusil à pompe. Comme ça, ça me le recharge. Et j'économise 12-15 balles, je sais pas. Jetez un coup d'œil, faites à votre guise. À ma guise, à ma guise. Putain, le jeu qui donne. Ah, 9000, ouais, mais. Est-ce que c'est assez? Je suis pas sûr. Hein. Y'a rien qui se combine, non. Ça devrait suffire. Ne faites pas attention à moi. Ok, comme ça on gagne 12 balles. Nice. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. C'est la technique, ça. Hop là, 12 balles. Merci Jean-Jacques. Allez, on va continuer encore un peu. Du coup, attends, qu'est-ce qu'on a? Comment mon cerveau a pu déjà oublier d'où je viens? C'est quoi cette merde? Ah oui, oh putain, mais c'est pas possible. Par contre, j'ai toujours mon fucking mur en bas, là. Où je sais plus où il était. Avec quelque chose derrière le mur. On va aller voir si je peux rentrer. C'était là. De toute façon, ça va les réveiller. Je vais être oméga heureux. Quoi?
Je sais pas. Je sais pas à quoi ça sert. Ok. C'est pas pour être fondu ce machin, c'est pas... Mais non. À quoi ça sert ce truc? Pour mettre dans une machine? Je l'ai même pas... Attends, quoi? C'est pas un trésor. Ouais. C'est un trésor combinable, ok, ok. T'as peut-être un trésor caché, ouais, en plusieurs morceaux à droite à gauche. Bon, j'en sais rien, je me casse. On y retourne. C'est juste au-dessus. Après, j'espère que Poro sera là demain, quand même. On avait prévu de faire les boss en coop. On verra bien s'il est là. Allez, Zou. Zou, zou, zou. On va peut-être... Attends. Toujours bon à prendre. Ah, la ferraille, c'est en train de baisser, mais c'est pas grave. Hop. Ok. Après, j'arrive pas à savoir si le jeu était prévu pour être en VR, hein, parce que j'ai quand même l'impression que oui. Et c'est quand même bizarre que c'est complètement disparu. Hein. Donc soit il y a eu un problème technique, soit... Enfin, c'est très chelou. Je peux pas prendre la visée, monsieur. Putain, et puis mettre 1600 dans une caisse. Et là, genre, il y a un truc dans le couloir, là. Du foutre off me. Comment ça, il y a un truc dans le couloir? Bête. On a vu une petite pierre qui brille, je ne crois pas. Bah, je vois rien. Je sais pas. Apparemment, il y a un truc dans cette salle, mais je... Ah oui, peut-être un tiroir, ok. Ça aurait été dommage de rater ça, en effet. Ok. Allez, let's go. Oh non. Oh non. Il y a un truc pour électrocuter et on peut tourner. Je peux ressortir au moins? Je peux ressortir, ok. Il y a un truc là. Il vient d'où? Ok! C'est une grosse merde. À part ça, ça va. Il est encore en mode... Oh putain. C'est un passage devant moi là. C'est où Jean-Jacques? Ok, là. On va essayer ça. Ah, dans le dos! Ah bah oui, bah d'accord. Après on le détériore, ouais. Oh putain. Ils sont tous qui est dans le dos à lui là. Il est paralysé là? Faut que je cours derrière lui? Bah oui, bah bien sûr. Une tarasse. Ok. Bon, on peut le tuer avec des dégâts normaux, entre guillemets. Il faut réussir à passer dans son dos, mais what? Et on n'a pas vu la note qui parlait du truc bah, dans le dos, justement. Attends, il y a une porte? Quoi? Hein? C'est pas le bonnet. Hein? Ça se casse, ça? Absolument pas. Bon, j'en sais rien. Je crois qu'il y a deux... Deux étages à cheval. Allez. Non mais c'est pas possible. Lève-toi. C'est l'hélicoptère. Ah! Casse le truc ou pas? Je vais tendre le stuff. Je suis où? Où? C'est quoi ça?
C'est l'ascenseur. Ok. Ok, ok. Bonjour monsieur. Bienvenue, bienvenue. J'ai sûrement quelque chose pour vous. J'imagine. Oh oui. Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. Cent mille. Allez, allez, allez. Prévenez-moi si vous trouvez autre chose de valeur. Je sais pas si je continue. Parce que je fais quoi là? Je sais pas. S'échapper de l'usine, ouais, d'accord. Je sais pas. On va essayer de continuer un petit peu. Bah, j'en sais rien, Zenik. Tu peux pas juger un perso comme ça à la volée. De toute façon, je vais pas retourner en arrière, PTDR. Bah, je sais pas. Je peux pas aller au B1, je sais pas pourquoi. Donc je peux redescendre. Appuyer. Ah, ça marche pas. Attends, on a débloqué quelque chose du coup? Les boutons d'en bas ils marchent pas du tout là. Non. Attends, là je suis. Je sais pas. Je dois faire quoi là? J'ai pas souvenir d'avoir trouvé une pièce en fait qui me permet d'avancer. Je suis perdu. Bonsoir. Pourquoi il y a une pierre qui brille là-bas? What the fuck? Ils ont fumé, ils ont fumé, ils ont fumé. Je ne sais pas ce que je dois faire. Merci. Et il y a d'autres trucs, mais c'est pas possible. Déjà, comment tu veux voir ça en... Ouais, d'accord. Allez, allez, allez. Quel moment il y a d'autres trucs? What is this? Je ne sais absolument pas où je dois aller. Hein. Mais j'ai rien? C'est ballot ça. J'ai pas de moule, donc ça va pas avancer. Je me suis perdu, je sais plus où je suis. Attends, quoi? C'était par là. C'était en haut. Oh là 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 là, je sais pas ce que je fais. Aidez-moi. Bon, là, faut retourner là où il y avait le Hélisman. Bah, j'en sais rien. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. I'm lost. What I have to do? I don't know. I don't know. Que j'ai rien de plus à faire fondre. J'en sais rien. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas. Parce que là, y a rien. Ouais, ok, super. J'aimerais quand même trouver où je dois aller. Ah, mais il y a une.
Tout va bien. Salut Kurama. Du coup, est-ce qu'on peut retourner le voir? Bonjour monsieur, il est parti. Du coup, il n'y avait plus rien, ok. Putain, avec la panique, j'ai même pas vu l'échelle, quoi. Mais incroyable. Oh là là là. Et en bas? Disposal, ouais, je sais pas. Parce qu'apparemment, on peut pas aller en bas. Je sais pas. Ah, c'est le marchand, putain. Il y a encore du chemin. Non, dis pas ça. On y est presque. Faut y croire, monsieur. Faut y croire. Du coup, on a fait un petit tour pour rien, le sang. Là dans le trou là. Ouais. Je sais pas si j'aurais pas dû arrêter là en fait. Hein. Parce que je sais pas si on va pouvoir sauvegarder tout de suite. Hein. Je sais pas où on va. Hein. Pour Miranda, nous ne sommes que des enfants. Oh, c'est pas qu'elle nous aime. Ça non. Elle a perdu son humanité depuis longtemps. Je dois l'anéantir. Nous, on parle. Me saouler avec tes histoires de famille. Donc lui veut tuer Miranda, mais what? Bah, laisse-le tranquille en fait et vas-y. Un trésor, vu que c'est un cul-de-sac. Je vois bien un trésor ici. Donc je vais tirer dans l'épaule. Mais fuck you! Non, mais ouais, c'est bon, oh! Pas déconner non plus. Je sais pas quand c'est l'animation, ouais, c'est bon, je finis de recharger. Ok. Je sais même pas ce que j'ai ramassé à part une plante. J'ai tout ramassé mécaniquement. Très bien. Ils sont tous en train de miner. C'est un cul-de-sac. On va peut-être récupérer un truc pour avancer. Je vais réussir à toucher la tête. Ok. Ok, les rushs. Mais putain, il fait une putain d'esquive au moment où je tire, c'est improbable. Une fois, j'arrive plus à reculer, je sais pas pourquoi. J'arrivais plus à reculer, je sais pas. Il y a un problème avec le gameplay de ce jeu. Il y a une fucking caisse qui m'a tapé dans le pied là, j'en sais rien. Mais... Des fois, il tire pas. Il attend de se prendre le coup dans la gueule avant de bouger, je comprends pas. Et je comprends pas. Ou alors, ça rejoint le fait que c'était censé être un jeu en VR, donc plus lent, et du coup, c'est mal adapté. J'en sais rien. Attends, en regardant là, j'ai chopé l'objet qu'il y avait là, ok. Why not? Why not? Si on referme la porte. Attends, on n'est pas venu là pour rien, il y a forcément... Ah, il y a un trou, d'accord. Par contre, il y a l'air d'avoir encore des choses. Mais où? Eh, j'en sais rien, moi.
Mais ouais, mais les zones. Je sais pas. Normalement, il y a des trucs, mais. Ah, j'avais oublié ces trucs-là. Alors après, j'aime pas trop faire ces allers-retours, mais. C'est tellement la galère. Si je peux gratter même 5000 ou quelques munitions. Par contre, là, bah, je ressors, là. Alors, il y avait un truc là incrusté quelque part, j'en sais rien. Bon, bah, tant pis. Tempi. Je regarde un peu partout. Bon, bah. Mystère et boule de gume. Ou alors il y a une cage à oiseaux que j'ai ignorée, j'en sais rien. Ou alors il y a un truc caché dans les... Non. I don't know. J'ai pas trouvé. Ou alors il y a un amas de cristal caché dans un recoin. Ah bah c'est ça en plus. D'accord. Super. Ok. Oh non, ça sent Elisman ça, ou je sais pas, il y a une porte, mais... Non, j'en sais rien. Non, Zenik, je résisterai. Dans Minecraft. Ah, il n'y a même pas de morceaux du trésor. D'accord, c'est juste des cristaux, ok. Il n'y a pas Elisman. C'est quoi ça? On a vu des trucs comme ça un peu partout, je sais pas quoi ça sert. Des trucs colorés. Ça sauvegarde, super. On est au broyeur, tout va bien. Ah, il broie des... D'accord. Plein de ferraille. J'en sais rien. Ça fait des bruits chelous, hein. C'est trop réaliste, là. Ça me perturbe. Comme quoi, le son, hein, c'est... Ça va pas me faire de dégâts, quand même. Je suis super étonné. Pi-pi-pi. C'est bon, même pas mal. Parce que j'ai pas, tu te prends des bouts de métaux... Dans la tronche, en théorie, ça te défonce un peu. On est super éthane, ne l'oublions pas. Faudrait que je regarde si je peux améliorer la puissance du sniper aussi. Oh putain, c'est quoi ça? C'est quoi? Mais c'est quoi? Mais c'est... Ils sont deux en plus. Mais quoi? Bon, faut les sniper dans le cœur, mais... Oh my gosh. Oh putain, il m'a sauté. Mais je vais crever en fait. Aveuglante. Ah mais ils sont... Ils s'en battent les couilles de ça, non? Oh putain. Mais c'est quoi ça, ça... Super Saiyan de mon cul, enfin Super Saiyan non, hein. C'est quoi ça? Oh, ah mais ouais, mais ouais, mais tu veux que je fasse quoi là? Je suis en cul. Bon, je peux pas être trop plus proche de toi monsieur. Oh, non. Ton ami, il fait bouclier, ok? Non. Calmez.
de suite. Hein. Il est mort. Merci d'avoir fermé la porte. C'est une blague. Pompe, il fait le taf. Oh putain. Bordel, c'est quoi cette merde? What the fuck? Attends, y'en a un qui m'a rien looté ou j'ai ramassé. Je sais pas ce que je fais. J'ai pas la tête. Ok, donc toujours pire, hein, bien sûr. Toujours plus. Bientôt, on va avoir des Metal Gear, c'est carrément. Des gros bipèdes géants qui peuvent nous écraser, je sais pas. On va se prendre des missiles dans la gueule. What the fuck. Arrêtez. On débrouche encore. Ah, par contre c'est bon, on en a vu deux, n'en remettez pas. Lolilol, c'est bon. Comment vous dire? Faut que je trouve un moyen de l'arrêter. Sans deck. Ouais. Ça a l'air de marcher. Ah. Mais oui, Lilith, parce que le jeu est très très drôle en fait. Bon, j'espère par contre qu'il n'y a pas une espèce de timer. Ouais, ce serait bizarre. Je suis une machine, je m'auto répare. Oula. Oula, et oh. Très bien. Ok. Toujours pas content. Ce serait bien de trouver un petit point de sauvegarde histoire de faire un break. Oh putain, mais ça fait peur là, leur broyeuse là. Okay. Oh non, il n'y a rien là, calmez-vous. Et c'est bang! Attends, mais ça vient d'où la ferraille? Ah, de là? J'allais dire, ça vient d'où la ferraille qui? Pourquoi? Je crois que ça vient de là-haut. Oh fuck. Ok. Projet d'amélioration du soldat. Soldat jet. Oh là là. Un réacteur dorsal. Capacité de vol limitée, incapable de parcourir de longues distances, mais peut survoler des terrains accidentés. Soldat Panzer. J'ai ajouté un blindage en alliage d'aluminium à un soldat pour protéger son réacteur thoracique. Et la partie exposée de sa chair. Invincible contre les armes à feu ordinaires. Ok. Donc tu fais tout péter, easy peasy. Mais c'est ce que j'ai failli ou c'en est un autre? Ok, ah il y a une petite salle, peut-être de quoi sauvegarder. Je ne sais pas. Là-dessous. Genre il y a un point de sauvegarde caché, enfin caché, c'est un bien grand mot caché. Hein.
J'ai oublié. Ouais, tant pis. J'ai pas changé le titre avec l'histoire du bébé. Hein. C'est safe là. Un bout de trésor peut-être. J'ai vu la mallette. J'ai toujours dans une grotte. Tout va bien. Boule. On peut faire une boule, ok. Oh, 30 balles de pistolet, ça faisait longtemps. Ah, c'est ce que j'ai, ok. C'est vrai qu'il ressemble plus à un pistolet, mon truc, hein, j'en peux plus. Mes armes, elles ressemblent plus à rien. Ok. Donc, pas point de sauvegarde. J'espère que ce soit une petite escale pour sauvegarder. Mais non. Ouais, je pense pas finir le jeu ce soir, hein, pour ceux qui sont là sur le live. Dès que j'ai une sauvegarde, j'arrête. Et la prochaine fois, ce sera sûrement le live final. Il doit rester deux épisodes après celui-ci, j'imagine, à peu près. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça sent la tronçonneuse, là. What is this ? Mais pourquoi tu vas... Il est you-you, hein. Et en plus, il y a la tronçonneuse qui arrive maintenant. Ça a juste pété, ok. Ah, du coup, d'accord, on est au-dessus, ok. Putain, il peut recharger et ramasser en même temps, il est vraiment trop fort. Mais l'hélice, elle est... Enfin, le vent, il arrive à porter ses pièces de métal. Je suis choqué. Il y a autre chose ici. Ah non, bah non, ok, très bien. Putain, je pensais que... En même temps, on voit rien. J'allais dire, je pensais que Tronçonneuse Man allait revenir, mais... Attends, quoi? Oh putain. Est-ce qu'il y en a qui se sont... Ayumi, t'es plus là. Ayame, pardon. Tu t'es pas jeté dans le vide? J'arrête pas de confondre vos pseudos, les deux. Ça peut avoir des pseudos qui se ressemblent. Je crois qu'Ayame nous a quittés. Bonsoir Fiasco. On est où là? Je veux sauvegarder et me poser. Je pense, Zenik, dès que je pourrais sauvegarder pour conclure pour. Pour cet épisode. Parce que là, je sais pas où on va, là. Bientôt, elle commencera sa cérémonie avec ta rose. Si ça se produit, c'en est fini. Pour ta fille et pour tout le village. Mais ne t'en fais pas. Je l'en empêcherai. J'utiliserai Rose pour tuer Miranda. Pauvre papa, tu es le seul à ne pas voir le pouvoir de ton propre enfant. Tu veux Rose? Et c'est un peu pour voir. C'est ce coup, c'est l'âge. Ma grand-mère, c'était pareil, elle confondait tous les prénoms, ben moi c'est pareil. Je confonds tous les pseudos. On va attendre pour recharger, mais je pense pas avoir la capacité de... Capacité de pouvoir augmenter le... Ah, oh, on s'est compris. Hein. Augmenter la capacité du gun pour recharger. Fuck. Pourquoi il me donne des munitions et pourquoi j'ai deux moules? Par contre, ils sont sérieux par... Ouais, j'aurais dû m'arrêter au point de sauvegarde il y a 25 minutes, hein, putain. Ça aurait fait un petit épisode, mais là, ça fait trop long. Hein. Aïe, pépé. Attends, quoi? C'est quoi cette map là? Elle est beurrée la map. Ou alors il y a un truc en haut? Ah oui, d'accord. Je sais pas comment j'y vais, mais ok. Bah bientôt, Fiasco. Ah, ça continue! Quoi, ça continue? Arrête. Je sais pas. Y'a pas une petite machine à écrire là? Ah, l'ascenseur. Ouf.
La clé d'Heisenberg. De toute façon, on l'a pas. On a deux portes à ouvrir avec la clé d'Heisenberg. Par contre, la première, je n'ai aucune idée de l'endroit où elle est. Allez, on appelle le marchand. J'espère que c'est le marchand. Imagine, c'est le tronçonneuse man. Arrêtez, monsieur. Du coup, on a deux trucs à mouler. Attends, à moins que les deux moules fassent... fassent la clé. Fiasco, je compte sur toi pour me rappeler pour le prochain live d'aller mouler la clé. Ah, vous tombez bien, je commençais justement à mouler. Cet endroit me débecte, et toi aussi. Combinable, donc on vend pas. Ah, en vrai, si, ça me fait un petit peu de moula. Obtenir de la marchandise est plus important. Capacité. Ah, ah, mais là, je peux économiser 8 balles. Fort. Si je puis m'exprimer ainsi. Attends, monsieur. Bienvenue, Ethan. Merci, on s'est parlé il y a 3 secondes. Ah oui, mais si j'améliore... j'allais dire j'améliore la puissance au pire. Mais si je fais ça, je pourrais pas améliorer la capacité. Conflit Kodo. Conflit Kodo. On va rien faire pour l'instant. On va juste regarder et conclure. Je vous dis merci d'avoir regardé, à la prochaine pour la suite. Je suis en chaleur, what the fuck. Bref, à la prochaine. Ciao.